C'est surtout l'apprentissage de la logique, de la programmation pour les élèves depuis le plus jeune âge. En fait, on leur donne les clés pour s'intégrer dans la transition numérique. Ça sert à savoir maîtriser soi-même les machines. C'est-à-dire que les enfants pourront fabriquer leur logiciel. Les élèves ont des défis Minecraft, donc c'est une version spéciale pour l'éducation. Et donc à travers cette activité, ils vont apprendre à construire. En géographie, on doit leur faire réaliser des plans. Donc typiquement, on va pouvoir faire réaliser des plans en trois dimensions. Le plan de l'école, le plan de la ville ou même dans l'histoire de l'art par exemple, on pourrait imaginer reconstruire un monument architectural. Si on n'explique pas aux enfants comment fonctionne ce monde, bah ils iront dans ce monde de manière passive.